Bonjour, c'est Abdoul. Aujourd'hui, je suis à Marseille et j'ai rendez-vous avec les ciné-voyageuses. Silence, on tourne. Alors, tu vois, ça devrait être par ici. Là, regarde, la même porte, je pense. Ah ouais? Tu vois, tu as le... Fais voir. Tu as le losange, tu as les ornements aussi, avec le plat. C'est celle-là, hein? Ouais, ouais, c'est ça. Bon, ben maintenant, on va voir. Mais, c'est ciné-voyageuses? Oui, c'est nous. Salut. Ah, mais je suis votre fan absolu. Abdoul? Sabrina, Ludivine. Ah super, franchement je suis très fan de ce que vous faites avec cette photo là. C'est Omar Sy? Ouais. Ah la classe. Tu vois ici en fait il y a Lupin qui a été tourné pour la saison 3. Est-ce que tu te rappelles dans la scène, il arrive par là, il marche, il monte, il se retourne et ensuite il rentre. Bah, on est toutes les deux fans de cinéma, de voyage, et on s'est dit que créer un tourisme cinématographique à Marseille, en France, ça serait pas mal. En fait, on prend donc notre appareil photo ou notre téléphone, et puis on prend aussi une photo de la scène ou d'une série d'un film, et puis après on la replace sur son lieu de tournage, tu vois. Et on fait correspondre les extrémités en fait, de la photo pour que ça fasse comme si on regardait la scène à l'écran. Et ça vous demande quand même une concentration, hein? Parce qu'il faut que ce soit juste. C'est vrai, c'est vraiment une scène de la série, ouais. D'accord, ok. On a fait une capture d'écran et puis ensuite on est venu ici pour faire notre photo. Et on va où là? Là on va aller au Vieux-Port sur un lieu de tournage de Taxi 5. Est-ce que tu te rappelles de la scène où ils finissent dans l'eau? On est juste ici, là devant, cette scène-là. En fait, il y a une course-poursuite où la voiture tombe dans le Vieux-Port. Et après, ouais, quand il ressort, il l'aide à sortir de l'eau en fait. Comment ça se fait une voiture qui tombe dans le Vieux-Port? Mais c'est une légende ou pas? Oui, non, c'est pas la sardine. On a reconnu par rapport à la petite cassure ici et l'espèce de trait aussi qui est là. Et la cassure qui est là, à ton doigt. D'accord. C'est bien synchronisé. Hein. Donc, voilà, dis donc. Vous pouvez me la refaire la séquence ou pas? Oui. Allez. Là, ça correspond. Allez. Ouais, bravo. Là, tu vois, on va prendre la rue et puis on va monter presque tout droit. Vous allez me montrer un troisième lieu de tournage. Et c'est quoi le titre de ce film? Est-ce que tu reconnais la scène? Oui, mais c'est Clint Eastwood. C'est ça. Overdrive. C'est ça. Ça. J'ai jamais vu, mais j'ai reconnu l'actrice de Blade Runner. C'est Anna de Dermas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement ici sur cette séquence? Alors, de souvenirs, on se rappelle qu'ils se disputent sur la passerelle, mais on ne sait plus pourquoi exactement, mais on sait qu'il y a une scène où ils se disputent ici. D'accord, personne tombe, hein, rassurez-nous. Non. Cette fois-ci, personne non. tombe. Ah, ça va, d'accord. Ok. Voilà. Tu vois, par exemple, ça, c'est une photo qui a été zoomée, avec des tailles toujours enfants qui sont zoomées. Et c'est là où ça devient hyper compliqué pour nous. C'est de replacer la scène exactement, et c'est là où on galère un peu. Il y a les lumières, là. Hein. Ouais. Tu veux essayer? Ah non, oui, allez. Tant qu'à faire. Allez, attends. On va te montrer pour que tu vois un peu ce que c'est la difficulté. Merci. Et là, tu places la photo. Ah, mais vous rigolez ou quoi? Bon, attends, c'est un spécialiste. Allez. Hein. Regardez, pile poil. Je l'ai, là. Je l'ai. Je l'ai. Appuie. Ouais. D'un coup. Je suis un ciné-voyageur. C'est validé? Validé. Validé. Vous m'emmenez où, là? Là, on est sur un lieu de tournage de Stillwater. Ah, mais j'adore ce film, je l'ai vu. C'est avec Matt Damon. Ouais. C'est cette scène-là, ouais. En fait, il regarde la porte d'en face, là où a eu lieu le meurtre que sa fille aurait commis. Tu vois, voilà. Ah, tu vois, c'est nickel. Mais là, tu as eu du premier coup. Ouais, tu as vu? Alors que la dernière fois, on a galéré. Et tu vois, hop. Ouais! Comment on fait pour vous retrouver? Alors, tu peux nous trouver sur Instagram, Ciné Voyageuse, ou alors sur notre blog si tu veux trouver plus de lieux de tournage, par exemple pour Stillwater. On a mis tous les lieux de tournage de Marseille qui apparaissent dans le film. Et vous avez fait plusieurs villes aussi en Europe, hein. Vous pouvez les citer? C'est ça. Ouais. On a fait alors, Londres, Paris. Paris, Vienne, Budapest, Mallorca, Séville. Le Ciné Voyageuse. Dans Abdoul fait son cinéma, c'est le clap de fin.